Le château de Dorn est assez éloigné du village hollandais dont il porte le nom. La demeure de l'ex-Kaiser n'a de remarquable que sa tour du XIVe siècle. Elle a survécu aux nombreuses restaurations dont le château fut l'objet. Des champs, des bois très vastes l'entourent. Des fossés, des barrières, des gardes en interdisent l'accès aux curieux. L'ancien souverain d'Allemagne veut la solitude autour de lui. Depuis le jour de sa fuite, la veille de l'armistice, lorsqu'il se réfugia d'abord dans le château d'Amerongen, où il signa quelques jours après son abdication. Il faut la solitude et le silence à cet homme qui avait une foi aveugle en soi. Une femme cependant apporte dans sa vie glacée la tiédeur d'une affection fidèle et peut-être désintéressée. Celle qu'il épousa après la mort de la Kaiserine Augusta Victoria,